Real, championne d'ici. J'ai découvert l'aviron dans le cadre du travail. Le club de l'aviron bayonnais souhaitait développer la pratique pour les personnes en situation de handicap. Et comme j'étais salarié au comité départemental en e-sport des Pyrénées-Atlantiques à l'époque, ils m'ont demandé de venir tester l'accessibilité des pontons, de venir voir les vestiaires pour savoir aussi si tout était accessible au niveau des sanitaires et des douches, et ensuite au niveau des bateaux. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'aviron. Cette notion de nature, où en fonction des saisons, on voit la nature différemment sur l'eau, c'est quand même sympa. Moi, j'ai aimé cette sensation de glisse et aussi l'effort que ça demandait, parce que c'est un sport d'endurance. Moi, j'avais vraiment besoin de ça, donc j'ai eu un petit échec au basket fauteuil en 2008. On ne s'est pas qualifié avec l'équipe pour Pékin. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas se relancer à un nouveau défi. Alors, j'ai trouvé que c'était sympa de laisser le fauteuil sur le ponton et de naviguer comme n'importe qui, parce que si on n'est pas spécialiste de l'aviron, je ne suis pas sûre qu'on voit le handicap. Alors on a la chance d'être accueillis, je trouve ça génial que le club de Limoges puisse nous accueillir parce qu'en fait on fait le stage jeune à potentiel à Limoges, on essaye de tourner sur tout le territoire. Moi je suis mise à disposition de la Fédération Française Handisport, donc du comité régional Nouvelle-Aquitaine, grande région, et on essaye justement de pouvoir faire des stages tous les ans sur des lieux différents. L'année dernière on était à Bayonne et le fait de rencontrer aujourd'hui le club de Limoges, ils ont aussi cette volonté de développer le para-aviron, le sport santé. Donc c'est chouette, c'est aussi ça, notre présence, c'est permettre de créer des liens avec les clubs valides et leur dire que qu'on soit en situation de handicap ou valide, on peut tous pratiquer une activité sportive à partir du moment où il y a une volonté des clubs de nous accueillir.